Aujourd'hui, nous sommes réunis pour un jour qui est pour moi exceptionnel, ou pas du tout. Je suis en plein stress là les gars, je viens de me lever il y a pas très longtemps. Bon en fait il y a tout simplement écrit ça dans le titre je pense, si la vidéo sort c'est que j'ai eu mon permis. Si j'ai lancé le rec aujourd'hui les gars, le 29 juillet 2021. C'est tout simplement pour annoncer qu'aujourd'hui je passe mon permis. Je peux vous dire que je suis dans un état comme ça. Ça c'était une imitation de tremblement, mais ouais. Là vous avez mes ressentis avant le permis, donc autant vous dire que je suis trop stressée. De base je partais hyper confiante, mais là je sais pas pourquoi, j'ai trop peur de faire une faute éliminatoire, d'avoir un inspecteur pas cool, de plein de trucs bêtes comme ça. Et du coup, vas-y, ben ça me fait flipper un peu en vrai. Bref. Je vais me préparer, je vais aller passer le permis. Inch'Allah, comme disent les Bretons, ça se passera bien. Et juste par curiosité, dites-moi dans les commentaires si vous avez le permis d'ailleurs. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour découvrir les résultats ensemble. En tout cas, les gars, moi je vous laisse à la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas de faire quoi? Un truc qui est hyper banal, s'abonner. Et puis bien évidemment, il faut aussi liker la vidéo. Bref les gens, moi je vous laisse à la vidéo. Et puis j'ai envie de dire à dans 2 jours pour les résultats, tout simplement. Bon les gars, s'il y a une suite à cette vidéo, si elle est sortie, en même temps vous avez dû voir le titre. J'ai mon permis. Donc là, à vrai dire, j'ai découvert les résultats hier pendant que je bossais. J'étais plutôt assez fière parce que on va dire que j'ai eu un résultat de 31 sur 31. Je suis la bosse en fait, je suis une pilote, c'est tout. Y a rien à dire là-dessus. J'ai donc pris l'initiative de faire une petite vidéo chill détente. Mais je vais pas rester dans mon bureau. J'ai eu le permis et je conduis pas. N'importe quoi. Les gars, on va conduire pour ma première fois, je vais conduire toute seule. Et c'est la première fois, on va la faire ensemble. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc sans plus tarder, moi, je vous retrouve en voiture parce que vas-y, t'as capté. Je vais vous expliquer quelques anecdotes que j'ai eues durant mon petit parcours sur la route, etc. Et ensuite, ben, c'est parti. Bref, là, les gars, sans plus tarder, on va prendre la route direction je ne sais quelle direction. Je pense que je vais vous emmener dans un petit parking pour vous quand même vous présenter ma petite chop, tu vois. Et sur ce, bah vas-y, let's go hein. Oh. Oh, c'est incroyable comme il fait meilleur dans les voitures. Oh putain, j'ai pété mon trépied. Oh les gars, j'ai trop le seum. Comment je vais vous filmer tout ça, moi? Vas-y, c'est la galère. Bon bah les gars, désolé, mais je vais pas pouvoir mieux filmer que ça. Et encore dans cette position. Je vous avoue, je suis pas confiante, c'est sûr, vous allez tomber. Oh là 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 là. Wow wow. Je vais me faire copyright, moi, après. Hop, bon allez, on est parti les enfants. Petite marche arrière des familles. Bon déjà les gars, un truc pour lequel je voulais absolument avoir le permis et pouvoir conduire toute seule, et ça je pense que ça doit être tout le monde, c'est tout simplement pouvoir écouter de la musique à fond frérot. Quand il y a tes parents et que tu commences à mettre la musique, baisse ton son, c'est quoi ton son pourri? Non non non, maintenant que je suis toute seule. Bref, là les gars, je vais vous emmener dans un petit endroit pour vous présenter ma petite chop, tranquillou bilou. Et après, bah vas-y, on va repartir, conduire un peu plus loin. Ouh, oh punaise! Premier accident de la caméra! Bon, va falloir que je conduise pas très brusquement d'après ce que je vois. On va rouler comme une mémé. Je vais aller ici, tiens. Oh, c'est chez quelqu'un, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Hop! Alors, tu vois aussi, il y a un avantage qui est hyper bénéfique quand tu conduis tout seul du coup, c'est que tu peux aller où tu veux quand tu veux. Avoir une voiture les gars, c'est trop la liberté, c'est incroyable. Bon vas-y, je me suis calé à un endroit où j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde. Donc vas-y, je vais vous présenter ma petite chop vite fait là. Donc les gars, c'est pas ouf, mais pour une première fois que je conduis, c'est vraiment incroyable. Une petite Audi A3 S-Line, s'il vous plaît. Il est où? Il est là, le S-Line. Frérot, elle a de la gueule. Hop, je vous montre derrière. Elle est trop belle. Avec ton petit cul là, ton petit A. Yeah, I need a bag, bro. Send it through quickly. I'm making his dog. Like I'm in a big lease.
Je vais vous montrer l'intérieur aussi. Bon, c'est un peu le bordel, mais voilà comment ça se présente. En vrai, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup perso. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas assez d'options. Hop, et voilà derrière. Mais sinon, en vrai, les gars, avec ça, je peux t'assurer que tu te régales. Bon, maintenant que je vous l'ai présenté, que vous pensez vraiment que c'est ma caisse, c'est pas la mienne, c'est celle à mon père. Vous croyez vraiment que je vais débuter avec une Audi A3, frérot? Moi, les gars, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est une bonne idée pour ceux qui ont eu le permis il y a pas longtemps, qui ont eu l'expérience de cette voiture ou voilà. Je compte m'acheter une Peugeot 207. Perso, j'ai penché sur ça parce que à Skip, je me suis renseigné un petit peu. Niveau assurance, ça coûte pas très cher. Et c'est un véhicule qui coûte pas cher en fait, de base. Donc, moi, je me dis pourquoi pas, tu vois. Bon, vas-y, c'est pas pratique de filmer comme ça. Je suis désolée, mais je peux pas faire autrement. On est reparti. Direction. Oh, j'ai cru que j'avais perdu les clés, j'ai eu trop peur. Vas-y, on est sur une route un peu bossue là. Waouh, vous êtes en train de twerker les gars. Calmez-vous. N'empêche les gars, là, je vous ai cité déjà deux avantages de pouvoir conduire solo. Mais comme on dit, jamais 203. Et donc comme je disais les gars, le troisième avantage, c'est que tu peux accélérer comme un fou. C'est parti. Wouh. Oh, je suis collé au siège. Oh putain, il y a les flics. Il y a les flics. J'accélère, course poursuite. Oh. C'était une petite vanne les gars, il n'y a pas du tout les flics. D'ailleurs les gars, du coup je vais vous raconter mes petites anecdotes de permis tant que j'y pense en fait. Ok, on va faire une petite pause sur cette vidéo. Je vais vous mettre une petite compile des chutes de ma caméra et donc vous allez constater que c'était impossible pour moi de faire une vidéo et de raconter mes anecdotes. C'est pourquoi on va se poser tranquillement dans mon bureau et parler ensemble. J'ai jamais vu... Putain! Bon les gars, j'ai pas eu le choix de m'arrêter là parce que vous arrêtez pas de tomber. Bon, ne conduisez jamais avec une caméra, elle fait que tomber. Faut que je reste concentrée sur ma route. Oh, vous vous êtes remis tout seul. Ah putain, elle est bien bonne celle-là. Par contre là, vous êtes en train de faire un grand écart, je vous croyais pas aussi gymnaste. Bon, de toute façon, vas-y, moi je rentre chez moi, je vais arrêter de m'occuper de vous, je vais vous éteindre. Parce que là, vous arrêtez pas de partir dans tous les sens, frère. Papa, si tu regardes la vidéo, je suis désolée, mais t'es un génie. Heureusement que t'as gardé la boule. Les gars, il y a un mur derrière moi. En fait, moi, je reculais. Et en fait, ici, c'est l'appart de ma mère. Donc, j'ai l'habitude d'avoir une très petite voiture. Donc, je recule. Et là, j'entends un boum. Je fais, putain, j'ai niqué le coffre. Mais en fait, non, putain. Il y a une putain de boule. Oh la vache, j'ai eu tellement peur. C'est horrible. Je me sens trop coupable alors que j'ai rien fait. C'est la boule, mais quand même. Hop. Bon les gars, je m'installe en deux-spi là et on va faire l'outro de la vidéo tout simplement. Est-ce que le flow est validé dans les commentaires? Vas-y les gars, je me prends trop pour une star américaine là. Ça y est, collier, t-shirt oversize, bob, t'as capté. Je suis gênante, let's go. Il est temps que je finisse de tourner ma vidéo là. Bref les gars, je vais vite fait vous parler de comment ça s'est passé mon permis, mes heures de conduite, etc. Pour commencer déjà moi, il faut savoir une chose, c'est que ça fait déjà 2 ans que je suis en conduite accompagnée. Donc déjà, j'ai l'expérience de la route. Avant de passer mon permis, j'avais déjà fait plus de 4000 km ou un truc comme ça, tu vois. Ensuite, toutes mes heures de conduite, tout ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps, tout s'est très bien passé. Je n'ai jamais eu... Je touche du bois, même si c'en est pas. Je n'ai jamais eu d'accro ou quoi que ce soit. Si, dans ma vie, j'ai rayé une jante. C'est pas forcément de ma faute, c'était à cause de mon père. Même si c'était moi au volant. C'était pas de ma faute, ok? Vas-y, moi je suis une pilote, y a quoi? C'est pas que j'assume pas, hein. Mais faut savoir une chose, c'est que le permis c'est avant tout, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, beaucoup de chance. Déjà, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que j'ai conduit, etc., j'ai jamais eu de soucis. Et il se trouve que la toute dernière heure de conduite, donc c'était 2 jours avant de passer mon permis, je fais une faute éliminatoire. Donc j'arrive dans un rond-point, très peu de visibilité. Bon, moi j'ai l'habitude de conduire une Audi A3, ça a de la pêche. Donc là, quand je repasse dans les petites Peugeot 208 de l'auto-école, ah tout de suite, ça avance moins bien. Hein. Et là, refus de priorité, il y a un mec qui arrive comme un malade. Bah frérot, j'étais quand même engagée avant lui dans le rond-point, mais je l'ai fait ralentir. Donc le moniteur m'a dit que c'était possible que ce soit une faute éliminatoire le jour du permis. Je me dis, il s'est jamais rien passé, la dernière heure de conduite. Faut que je fasse des trucs comme ça, tu vois, donc forcément... Ça met un petit peu le stress, tu vois ce que je veux dire? Et arrive le permis, donc le 29 juillet, je le passe à 14h50. J'ai eu ultra beaucoup de chance. J'ai eu un inspecteur ultra sympa. Dès le début, j'ai fait ma manœuvre et la manœuvre que j'ai eu à faire était un demi-tour. Donc désolé, mais ça les gars, c'est de la chance. Il m'aurait mis un créneau, je suis pas sûre que j'aurais réussi, très honnêtement. Dans ma dernière heure de conduite, il s'avère que j'ai fait un parcours. Et donc là, le mec il me dit, vas-y, tu vas direction Fougères.
et ensuite tu tourneras à droite dans un petit endroit en campagne. Pile poil à l'endroit où il me demande de tourner, c'est vraiment l'endroit pile poil là où mon moniteur m'avait fait tourner 2 jours avant. Donc là, désolé, mais si ça c'est pas de la chance les gars, j'avais une chance sur je sais pas combien de tomber sur ça, et je suis tombée sur cette route. Donc voilà, tout se passe très bien, il me fait faire un arrêt de précision en plein milieu de la campagne où il n'y a aucune voiture, donc honnêtement, pas du tout stressant, ça je l'ai ultra bien géré, et tout s'est super bien passé quoi, donc vraiment c'est topissime. En fait, je vais conclure sur ça, c'est qu'il faut avoir confiance en soi, même si j'avoue que c'est stressant, tu peux pas le nier, tu arrives le jour de l'examen, tu es stressé, c'est normal tu vois. En fait ce qu'il faut faire c'est avoir confiance en soi et en sa conduite. À l'heure d'aujourd'hui, quand tu loupes le permis, c'est que t'as pas eu de chance. Honnêtement, la plupart des accidents qui sont sur la route, ça vient souvent des autres. Bref, les gars, je suis ultra contente, j'ai enfin mon permis. Ça fait bizarre, honnêtement, au début d'être tout seul dans la voiture et tout. Mais tu prends vite l'habitude et franchement, c'est un plaisir de malade. Tu vas où tu veux, quand tu veux, c'est magique. Bref, les gars, moi je vous laisse sur ça. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.